Alors, première chose, il faut un grand terroir. Deuxième chose, il faut un grand climat. Et troisième chose, il faut une grande équipe. Alors, si on, alors une grand, grand terroir. Alors, on a la chance à Les Huit-Poiferrés d'être situé près de la Gironde. Enfin, les parcelles voient la Gironde. Donc, on dit toujours que les meilleures parcelles voient la Gironde. On a la chance d'avoir de pas être d'un seul tenant à Poiferré. On a différentes parcelles à différents endroits. Et comme vous savez, dans les sols et sous-sols médocains, il n'y a pas d'unité. Donc c'est intéressant d'en avoir un peu partout. Au niveau de la complexité du vin, c'est absolument fabuleux. Donc ça, c'est la première chose. Bon, après, on ne peut faire un grand vin que si on est aidé par le climat. Ça, c'est une évidence. Alors, depuis 2000, on est quand même bien aidé par le changement climatique. Le changement climatique à Bordeaux s'est traduit essentiellement par il y a une baisse des pluies salutaires durant les équinoxes. Hein. Les années 90, on a eu des trombes d'eau chaque fois pendant les équinoxes qui ont un peu dilué les millésimes comme 92, 93, 94, 95, 98, 99. Hein. Là, depuis 2000, on n'a jamais plus de 30-40 mm d'eau pendant les équinoxes. Ce qui fait qu'on atteint des maturités extraordinaires. Et pour peu que l'été était bien, ça augmente la fréquence des grands millésimes. Bon, après, troisième volet, évidemment les hommes. Il faut s'appuyer sur une équipe qui est là depuis longtemps, qui connaît parfaitement le terroir, qui est homogène et qui travaille ensemble. De longtemps, dans les propriétés du Médoc, la culture et le chai étaient un peu rivaux, ne s'entendaient pas bien et ne travaillaient pas ensemble. Or, depuis, avec les jeunes générations, ça travaille ensemble, ils ont tous compris leur intérêt qu'il fallait travailler ensemble. Voilà. Et si on a ces trois éléments, eh bien, on fait un grand millésime. Voilà. Après, il suffit juste de bien élever, mais ça aussi, c'est un travail des hommes, donc ce n'est pas très compliqué.